L'aventure Make the Choice se poursuit pendant 3 jours pour les 100 jeunes chanceux sans formation sélectionnés pour leur projet d'entreprise. Depuis hier matin, les apprentis entrepreneurs pitchent tour à tour à l'Orange Vélodrome pour tenter de convaincre 7 jurés que leur projet d'entreprise mérite de voir le jour. Après quelques passages, c'est l'heure pour Kaina et Amina, deux cousines, de défendre leur gamme de produits cosmétiques biologiques et naturels. Moi, j'ai trouvé ça très stressant. Ouais, très stressant. Et moi, je suis un petit peu sceptique parce que c'est vrai qu'ils posaient quand même des questions assez pointueuses. Mais bon, je pense qu'on a quand même tenté d'y répondre avec le plus de sincérité possible et montrer que voilà, notre projet avait de l'avenir. Moi oui, ça, on va dire que j'ai un peu pris encore plus confiance en moi parce que je passe pas tous les jours devant un jury, donc forcément là je dirais que ça me met un peu plus en confiance pour la suite en fait. Je me dis que le plus dur est passé, que voilà, on a plein de bonnes choses à faire. Épaulée depuis un mois par une coach issue de l'entrepreneuriat, cette dernière souhaite apporter à ses jeunes novices les atouts pour réussir leur entrée dans le monde du travail. Nous, on amène un peu des informations, on les cocooning un petit peu, et puis on essaye de leur donner une meilleure visibilité, une meilleure lecture dans quoi elles avancent. D'ici quelques jours, les deux cousines sauront si elles ont été sélectionnées parmi les 25 chanceux qui passeront la prochaine étape de sélection à The Camp.